Bienvenue à tous les amis, bienvenue sur KO Gaming, c'est KO et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 7 je crois, l'épisode 7 d'Harry Potter à l'école des sorciers sur PS1 et ce sera le dernier puisque nous sommes à la poursuite de la pierre philosophale, on est en train de régler toutes les épreuves, on a fait Touffu, on a fait la plante et on a fait le balai volant. Et là je suis dans un couloir annexe. Un passage secret qui nous permettait de sauvegarder quand même. Ça, c'est un petit peu bâtard. Faut l'avouer. Il n'y en a pas d'autre. Ah, j'entends une porte. La prochaine énigme est un échiquier géant. Comment tu sais? On a déjà commencé une partie. J'espère que tout se passe bien. C'est bien l'échiquier. Allez. J'ai vaincu la plupart des pièces, Harry, mais je ne crois pas que je vais pouvoir continuer. À toi de jouer maintenant. Ouf. Ron, ça va? Tu dois être très prudent, Harry, et éviter les pièces. Elles se déplacent d'une case à la fois. Ok. Tu vas devoir forcer les pièces à s'affronter pour arriver de l'autre côté en un seul morceau. Ah, je me rappelle plus comment ça a été programmé, ce bazar. Je crois que je suis ni noir ni blanc, hein. Allez, on va voir. Ouais, c'est ça. Il y a des exploses après en fait. C'était bien trouvé quand même. J'avais bien aimé ce concept. Alors là on va aller ici, comme ça elles vont s'écraser mutuellement, ces deux andouilles à gauche. Parce que faire une partie d'échecs ça aurait été trop compliqué pour un gamin, je pense. Aller juste à gauche. Voilà. Et là, on va reculer. Voilà. Parfait. Ce n'est pas fini, il y a trois salles, je crois. On va aller sur la noire devant. Alors là, il y a d'autres pièces. Alors c'est juste le skill hein, qui change, c'est exactement pareil. Allez, là, je peux me déplacer que d'une case aussi. Voilà. Et on avance. C'est le petit qui est là. Parfait. Et le dernier plateau, normalement, ouais, c'est ça. On va aller là. Ah oui, il y a les rennes. Voilà, les deux, elles vont se neutraliser. Je recule d'une case. Ça va être le... Oh putain, la reine derrière là, je m'en rappelais plus. On va aller par là, ouais. Là, il n'y a personne qui va m'avoir. Ah, je risque de me faire avoir là, par contre. Ouais, la reine elle va me choper. Je me suis fait avoir. Ouais, il en reste un. Il me reste la reine noire. Et puis là je me fais avoir. Allez hop, on crève. Ah putain non!
c'était la pièce blanche. Oh, j'aurais pu gagner en plus. J'étais persuadé que c'était la reine. Allez, bah, on recommence. Ah oui, elle joue après la reine noire. Oh, quel con. C'est pas grave. Pas très bien avancé la petite pièce. Ah mais là elle joue avant. Là on recule. Mais là, je ne peux plus reculer. Eh oui, je me suis encore fait avoir, moi. Eh oui, je me suis fait avoir. Bon. Il va falloir faire attention, KO, maintenant. Hein. On va essayer d'aller vers la gauche, tiens. S'approche. Bon, la reine, elle va se faire avoir. Voilà. Hop, on se met ici. Là, les deux, elles vont se neutraliser. Et là, j'ai plus qu'à reculer. Parfait. Voilà pour le jeu d'échecs. Alors normalement, pour ceux qui connaissent le film, maintenant c'est Lord Voldemort. Enfin, celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Mais je pense qu'ils nous ont rajouté quelques petites choses. À notre plus grand plaisir d'ailleurs. Déjà, un livre de sauvegarde. Et je ne vais pas avoir ma vie entière. Bon, c'est pas grave. Il y a peut-être un choco-grenouille dans le couloir d'après. Bon, là, on le tient. Il nous reste plus grand-chose. Alors, ah bah voilà le dernier choco-grenouille que je voulais. Parfait. Alors, où est-ce qu'on va atterrir? Oh, le troll! Oh non! Il se réveille! Attends un peu. Non, il n'est pas tout à fait réveillé. Je vais tâcher de trouver un sort pour ouvrir la prochaine porte. Pourvu qu'il ne se réveille pas, sinon nous aurons de gros ennuis. Sorcelle tous les objets qui se trouvent sur son chemin. Il va avancer, il faut pas qu'il percute quelque chose, ça va le réveiller. C'est ça. Wingardium Leviosa. Il faut pas que je fasse tomber les objets rapidement. Bon. Ça c'est le petit bonus du jeu. C'est le même que celui qui était dans les toilettes des filles, rappelez-vous.
là on est de l'avance parce qu'après les objets seront beaucoup moins loin. Wingardium Leviosa. On voit. Je me mets juste à côté des objets, moi. Wingardium Leviosa. Allez, vite, 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 vite. Hop. Wingardium Leviosa. Et il ne reste plus qu'une chaise après. Wingardium Leviosa. Bébé, putain. Il failli me planter à cause du mur. Oh, le bruit. Quand il tombe, ça fait... Exactement de la même façon quand il... Allô, Mora! On l'a échappé belle. Et qu'est-ce qui nous attend maintenant? Et même Ron le connaissait, ce sort. Tu dois choisir la coupe qui contient le chevalier et le bouclier. Tu as vu le symbole sur le bouclier? On dirait une potion de glace. C'est sûrement ce qu'il te faut pour franchir les flammes. Ok. Encore une épreuve inédite. Alors, celui du milieu. Hein. À droite. Flipendo. Je sais pas pourquoi. Flipendo. C'était facile. Des fois, il se laisse faire. Je ne sais pas. Et voilà. Bravo, Harry. Mais il n'y a qu'une seule potion. J'ai bien peur que tu ne doives continuer tout seul. Je vais aller chercher de l'aide pour Ron. Fais bien attention à toi, Harry. Ok. Ah, pas mal. Et voilà. Bon, est-ce qu'il va y encore avoir des épreuves inédites? Ou pas? On ne sait pas. Alors déjà, j'ai encore un couloir. Très bien. Choco-grenouille, j'en ai plus besoin. Pas de passage secret non plus. Eh bien, continuons alors. Je me demandais si vous alliez parvenir jusqu'ici, Potter. Vous êtes un peu trop curieux pour vivre bien longtemps, Potter. Les chevaliers. Oh, le Flipendo duo là, il me sert très bien. Oula. Et dégage. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire maintenant? Ah! Aïe! Putain, c'est le mouse! Le master chevalier! Allez, reviens ici. Ah, à plus de tête. 1, 2, 3. C'est tout ce que t'as. Ouais, ça trop. Je vous maudis, Potter. Mais, maître, ce n'était pas ma faute. C'était donc Quirrell. Oh là là.
J'imagine que vous, que personne n'a vu le film avant. Bien, une potion d'Ivenveld. Elle ne me sert qu'à moitié, on va dire, mais bon, une choco-grenouille aurait suffi. Mais ils sont sympas de nous en donner une. Et le miroir du RZ. Vous avez vu, ils nous en ont quand même, ils nous ont quand même offert beaucoup plus de d'épreuves. Et nous avons la pierre. Et on va voir le double de Quirrell. Il a la pierre. Potter, donnez-moi la pierre. Je sais que vous l'avez. Laisse-moi lui parler face à face. Maître, vous n'avez pas assez de force. J'en ai assez pour ça. Donne-moi la pierre. La révélation. Vous allez mourir, Potter. Je me rappelle plus comment il faut le vaincre. Ah oui. Vipendo. Comme ça. Ok. Ouais, c'est ça. Alors là, ça sert à rien, il faut qu'il soit derrière une... Vous allez mourir, Potter. Ok. Oh, le flipendo audio, il me sert vraiment beaucoup. Merci, Fred et Georges. Non, ici, ça ne m'intéresse pas. Vous allez mourir, Potter. Bon, tu veux bien dégager de cette partie-là? Vous allez mourir, Potter. Il suit la caméra, ce con. Vous allez J'ai l'impression. Mourir, ouais, il suit la caméra, ce con. Voilà. Ah non, il revient là-bas, il fait chier. La caméra ne veut pas m'écouter. Vous allez mourir, Potter. Toujours en phase numéro 1. Vous doutez bien qu'il va y avoir d'autres phases. Là. Toujours phase 1. Vous allez mourir, Potter. Ah, il suit vraiment la caméra. Ah merde. Vous allez mourir, Potter. J'ai fait exprès de me débarrasser des liens un petit peu plus lentement. Bonsoir, Harry Potter. S'il ne veut pas m'échapper, Potter, donne-moi la pierre. Attention, monsieur s'énerve. Alors, phase 2. Je crois qu'elle est un peu plus facile, me semble. Je me démerde pas trop mal. Là, vous voyez, j'ai un viseur sur le... Oh, putain. Ouf, j'ai un viseur sur le miroir. Normalement, je pourrais l'avoir une fois sur deux, voilà. Là! Alors, il me semble qu'elle est plus facile, cette phase. Là, j'ai pas besoin de caméra ou quoi que ce soit. Là, du côté
la tranche du miroir du reset, on peut rien faire, évidemment. Allez, à gauche, à gauche, à gauche. Ça passe. Alors, tu vas aller où? Par là, si tu veux. Eh, je vois pas la barre quand elle descend. Est-ce que ça lui enlève beaucoup ou pas? Allez, à droite. Ouf. Ah oui, pas mal quand même. Bon, la phase d'eau, elle est quand même vachement plus facile, hein. J'aime bien parce que les miniatures des boss ressemblent quand même parfaitement aux répliques des acteurs du premier film. Merde, c'est ce que je fais. Oula. Donne-moi la pierre. Non, toujours pas. Reçois Harry Potter. Oh putain, c'était quoi ça déjà? Très bien. Dans ce cas, tu mourras en me suppliant de te faire grâce, comme tes parents. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire là? Oh putain! Non, pas ça! Je déteste ça! Là! Il suffit de lui donner des coups, ok? Bon, ça va, c'est pas aussi dur que la torture de Revolver Ocelot dans Metal Gear Solid 1. Alors, vraiment, il devrait lui rester deux coups. Ouais, c'est ça. Allez. Terminé. Ouais, c'est vraiment la phase 1 la plus difficile en fait. C'est assez étrange pour un boss. Hein. En général, ça va de... ça va crescendo. Bah là, non, bah Harry Potter, ça va décrescendo. Bon, bah voilà. Il ne nous reste plus qu'à admirer la fin. Normalement, si mes souvenirs sont exacts. Ah, le narrateur. Ah oui, j'ai aussi... Ah oui, j'ai encore un match. J'ai encore le match contre Serpentard, il me semble. Pas tout à fait fini, alors. Dumbledore lui sourit. Ce qui s'est passé dans les sous-sols du château entre Quirrell et toi est un secret absolu. Par conséquent, toute l'école est au courant. Oh, l'intonation est... La pierre avait été détruite. Mais Harry redoutait que Lord Voldemort ne trouvât d'autres moyens de revenir à la vie. Dumbledore acquiesça, partageant ses craintes. Toutefois, Harry, même si tous nos efforts ne pouvaient que retarder le retour de Voldemort, le temps qu'il aurait perdu lui manquerait peut-être pour reprendre le pouvoir, lui dit-il. C'est un vieux sale. Alors la pierre n'existe plus ? Demanda Ron. Harry acquiesça, l'air soulagé. Oui, Ron, surtout l'air défoncé. De robe, une carte des sorcières et sorciers célèbres, et l'attendit à Harry. Ah, ça c'est la dernière. Tu as toute la collection à présent, oh. Harry, s'exclama Ron. Interloqué, Harry ne répondit rien. Ron rappela alors à Harry qu'il devait jouer dans le match de Quidditch qui allait avoir lieu cet après-midi-là. Allez, dit-il, tu ne vas pas passer ta vie ici, on doit massacrer les Serpentards. Alors la carte là, que vous voyez, le plan d'avant, si on n'a pas les autres cartes du jeu, on n'a pas accès à... On n'a pas accès à ce souvenir-là. Harry, encore sous le coup du cadeau exceptionnel de Ron, acquiesça. Il venait à peine de vaincre vous savez qui, et on avait encore besoin de lui pour battre les Serpentards. Allez, c'est parti, Serpentards, cette fois-ci... Alors, c'est qui le...
Bienvenue au Quidditch, ici Lee Jordan, je serai votre commentateur aujourd'hui. Le terrain. Oui, bon. Pour corser le jeu, il y a. Pour ce match voilà. Contre les Serpentards, Gryffondor compte une nouvelle fois sur son talentueux attrapeur, Harry Potter. Lorsque le Gryffondor entre en jeu, il lâche des anneaux de vitesse qui font accélérer les balais des attrapeurs. Allez, et Potter fonce. Et oui Potter fonce. Bon, on va terminer ce jeu d'une bonne façon, je pense. Peut-être le vif d'or ? Potter a repéré le vif d'or. Ouais ! La foule est debout, elle arrive ! Bon, un dernier petit match. Ouh, il s'en est fallu d'un cheveu. J'ai toujours la protection cognard. Cognard, c'était pas loin. Oh attention à ce cognard. Et Potter le. Très bien que les batteurs ils fassent leur taf là. L'attrapeur des serpentards se rapproche. Dégage. Oh là 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 là. Je fais n'importe quoi. Potter se rapproche à toute vitesse. Ouh, il s'en est fallu d'un cheveu. Quel talent. J'ai cru qu'elle allait sortir du terrain, le Vildor. Je ne crois pas mes yeux. Ah putain, il monte. Hop. Des batteurs là, s'il vous plaît. Ça y est, j'ai plus que les anneaux d'or. Ouh, il s'en est fallu d'un cheveu. Oh là là, je les loupe tous. C'est une catastrophe. Je suis bourré. Oh putain. Attention à ce cognard. Je ne devrais pas gagner le match. Hein. Je fais n'importe quoi. Mais évite un cognard lancé à toute vitesse. Mais je suis où là? Potter perd le contrôle. Ah oui, là, je perds bien le contrôle là. Oh là là. Je fais n'importe quoi. Je devrais pas le gagner normalement ce match là. Ouh, il s'en est fallu d'un cheveu. Oh, oh putain, c'est n'importe quoi. Oh. Et le public là, ils doivent être complètement dégoûtés de ce match pourri. Potter donne tout ce qu'il a. Je vais pas le choper. Voilà, j'ai. Eh ben, ça rentrera pas dans les annales, ce match-là. Ah, j'ai jamais aussi mal joué depuis le début. Et ils sont contents. Bon. Ben moi, je ne serai pas Roderick Plumpton. Hein. En 3 secondes et demie, l'attraper un vif d'or, moi je suis même pas capable de le faire convenablement. Ce soir-là, Harry quitta son lit pour se rendre au banquet de fin d'année. La grande salle était décorée aux couleurs vert et argent des Serpentards pour célébrer leur victoire dans la Coupe des Quatre Maisons. J'aime bien parce qu'il spoil le tout d'un coup. Je crois que je ne peux pas passer. On est obligé d'attendre que le narrateur veuille bien reprendre. Lorsque voilà. Harry fit son entrée, il y eut soudain le silence.
Il s'assit entre Ron et Hermione et fit semblant de ne pas remarquer que tout le monde se levait pour mieux le voir. La coupe des quatre maisons, proclama Dumbledore, revient à celle qui a totalisé le plus de points. Serpentard est en tête, si l'on en croit le décompte actuel. Il nous mérite de pas mal de points. Un tonnerre d'applaudissements, d'acclamations et de trépignements explosa à la table des Serpentards. Cependant, les interrompit Dumbledore, pour le sang-froid et le courage exceptionnel qu'a manifesté M. Harry Potter, je donne à Gryffondor 60 points. Un tonnerre d'applaudissements s'éleva de la table de Harry. Gryffondor passait en tête du décompte des points et emportait la coupe des quatre maisons. Ce fut la plus belle soirée que Harry eut jamais connue. C'était facile, Il était encore plus heureux que le jour où il avait gagné le match de Quidditch, plus heureux que le soir de Noël, plus heureux que lorsqu'il avait vaincu le troll. Il garderait à jamais le souvenir de ces précieux instants. Ouais, on peut pas passer sans le carré. Il suffit d'attendre. Oui, il y a des petits... Il y a des petits passages, on va dire, trollesques. Hein. On voit que la lampe continue de flamber. C'est bon. Et alors, du coup... Et bah du coup, voilà, maintenant que l'histoire est finie, on va se taper le crédit de fin, voilà. Bon, bah vous avez vu, hein, c'était un petit jeu sympathique. J'aurais galéré au niveau du Quidditch, hein, quand vous avez vu la magnifique prestation contre les Serpentards où j'étais nul comme pas possible. À Gringotts, c'était une catastrophe aussi. Bon, ça a été les deux scènes les plus compliquées. Après, j'ai envie de vous dire, ça se fait plutôt bien, hein. Mais ouais, Gringotts, j'y ai quand même passé un épisode entier, hein, avec ses noix, ses morniers et ses galions, ce wagonnet de fou, hein, c'est le wagonnet des enfers, avec ses gemmes bonus, là, cachés un peu partout, et puis les gobelins, ils en ont rien à foutre, hein, que t'y arrives pas, c'est hallucinant, quoi. Mais vous ne savez pas vitriser le wagonnet, bah, en ce cas-là, vous voulez-vous recommencer? Bah oui, tu dis oui, évidemment, oui. T'as pas le choix de toute façon, donc tu recommences. Après, tout ce qui est phase de plateforme, les sorts... Bon, j'ai un peu chié sur Incendio au début, mais après ça allait bien. Je ne savais juste pas s'il fallait appuyer au bon moment ou s'il fallait faire juste une succession de touches. Bon, ça, une fois qu'on prend en main, ça va. Et puis bon, bah, après, bah, tout ce qui est... les obstacles à passer... les sauts, enfin tout ça c'est gratuit, hein, ça reste un jeu attractif pour tous. Voilà, les cartes sont... Il y a une petite difficulté à les trouver, parce qu'il y a certains passages secrets qui sont pas tout à fait... enfin pas gratuits, quoi, il faut un petit peu chercher, regarder un petit peu les textures des murs. Bon, c'est un petit peu le point faible de la console, j'ai envie de vous dire, puisque si on regarde bien les textures, on voit bien celles qui sont colorées ou pas. Mais... Il y a quand même eu un énorme travail de recherche, hein. Ce qu'on a perdu d'Harry Potter 4 jusqu'au dernier, quoi. Les trois premiers resteront quand même très très bons en jeu, et après on se perd, quoi. On est resté sur des adaptations de films en jeux vidéo, c'est pas souvent ces jeux-là les meilleurs, vous le savez déjà très très bien. Bon, j'en ferai le 1, mais en version PS2, que je ne connais pas, et on fera le 2 et le 3 également... Dans la même façon, alors pas de suite après, hein. C'était vraiment un petit jeu pour se remettre de nos émotions des jeux précédents, et puis voilà, ça reste comme je disais, ça reste un petit jeu sympa. Bon, en tout cas, après le générique, il me semble qu'on a encore un rappel des cartes de sorcières et sorciers célèbres. Alors à part celle d'Harry Potter qu'on a eu à la fin, du coup on les a toutes lues, hein. Il en reste juste une à voir. Et je crois que c'est... la description, c'est juste... Le survivant. Point barre. Deux mots. On nous explique pas pourquoi. En gros, celui qui n'a jamais connu Harry Potter, il a sa carte, il voit le survivant.
et il pipe rien de qui c'est. Voilà. Alors que pour les autres, hein, Dumbledore, les sorciers anciens, on a quand même une petite biographie. Non, non, Harry Potter, c'est juste le survivant. Et il y a quand même pas mal de monde hein, qui ont développé le jeu. Hein, donc bon. Vous avez vu, hein, le générique est quand même très long, donc je vais quand même pas vous passer la carte. Hein, je vous ai expliqué ce que c'était, donc on verra, bah on verra pas. Voilà, on verra pas. C'est pas grave, je vous aurai expliqué. Voilà. Bon, j'espère que cet épisode vous a plu, que ce jeu vous a plu aussi également. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker comme d'habitude. Et puis bah je vous dis à bientôt bah, pour un prochain jeu, tout simplement. Je ne sais pas lequel, mais on verra bien. Allez, salut tout le monde !